chaud, on sueur, Wally et moi. Mais en réalité, c'est un bon plan hein, d'aller au cinéma quand il fait très chaud comme ça, parce que c'est climatisé et qu'on va passer un bon moment. Donc quand il fait très chaud ou quand il pleut, autant le faire. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure dans le tram, mais on va regarder la très très grande classe. J'ai un doute à chaque fois, la très très grande classe. Voilà, ça a l'air d'être bien rigolo. Wally était aussi chaude pour regarder le film, donc on va voir et puis on verra ce qu'on en a pensé. Donc voilà, je filme un petit peu. C'est super joli, c'est beaucoup plus grand que le CGR. Là, il y a un mur avec le nom de plein d'acteurs. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt des posters. Et c'est hyper agréable parce que même si on arrive un petit peu tôt, on peut s'asseoir, prendre quelque chose, c'est climatisé, enfin il y a tout. Là, nous, on ne veut pas prendre quoi que ce soit parce qu'après, on va aller prendre un goûter. Donc voilà, plus tard. Voilà, le film est terminé, la très très grande classe. Nous avons beaucoup beaucoup aimé, franchement c'est un beau film, il est drôle, comme les comédies françaises, et vraiment, il y a un style de comédie que seuls les Français savent faire, donc ça on a vraiment beaucoup aimé, et puis aussi il y a pas mal de messages, donc c'est un beau film, c'est vraiment un beau film à voir avec ses ados, ses enfants, et passer un bon moment. Donc voilà, là Wally se cache, je pense que vous la reverrez tout à l'heure parce que là on n'a pas terminé notre journée entre filles. Donc à tout à l'heure pour la suite de ce vlog, en espérant que vous vous portez bien. Je ne me suis pas présentée au début, je le refais. Je m'appelle Marthe, j'aurai 52 ans là dans quelques jours. Je suis maman de 7 enfants. Wally est ma dernière, donc elle a 12 ans. Et voilà, et vous avez accès à Mata Douceur TV. C'est Wally qui a créé la chaîne il y a quelques mois parce qu'elle estimait que je partageais déjà depuis un bon bout de temps, notamment via Facebook et via mon site Une Douceur Maison. Donc elle souhaitait que je fasse vraiment des partages sur YouTube, que ce soit des partages de recettes, que ce soit des vlogs, que ce soit des partages spirituels ou encore des partages chantés que j'ai commencé à faire il y a peu. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce petit vlog, en espérant que vous vous portez bien, en espérant que vous profitez de ces derniers jours de vacances, parce que la rentrée c'est bientôt. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes au Starbucks Coffee. Pour la première fois, je vais aller dans un établissement Starbucks. Je l'avais jamais fait, ouais, ici. Mais bon, j'ai pas du tout envie de mourir bête. Tout le monde en parle. Donc, on va aller goûter tout ça. C'est celui de Bordeaux qui se trouve à Mériadec. C'est parti! Ce sont des boissons fraîches en fait, on n'a pas voulu prendre tout ce qui est boissons chaudes, etc. Je vais goûter, il y avait plus de smoothie. Comment ça s'appelle Wally ça? Very berry. Bref, ce sont des boissons fraîches. Elle a pris. Et toi ton gâteau c'est quoi? Cookie and cream. Voilà, puis moi j'ai pris juste une gaufre liégeoise. Donc je sais que mes fils, enfin beaucoup de personnes me disaient oui que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Mais c'est histoire de, voilà, de découvrir aussi, hein, vu que je ne l'avais jamais fait. Donc c'est parti. Alors moi j'ai pris une boisson à base de sirop de fraise et de lait de coco. C'est ça Wally, lait de coco bien fraîche. C'est assez particulier, mais bon, ça rafraîchit bien. Et surtout, c'est pas très sucré, parce que comme j'ai pris une gaufre liégeoise, j'avais peur que ça soit saturé en sucre, mais c'est pas très sucré. Quant
à Wally, elle, ben, elle m'a dit que c'était particulier aussi, mais elle aimait bien. Donc c'est fermé. Mais c'est bien frais. Moi, c'est à base de fruits rouges. C'est ça. Elle, c'est une boisson à base de fruits rouges et d'eau. Il n'y a pas de lait végétal, du lait, etc. C'est eau, fruits rouges et elle aime bien. Et ça se marie bien avec son gâteau. Donc voilà pour. Alors, verdict, c'est vrai que. C'est pas forcément donné. C'était une expérience. Les boissons, je pense que je pourrais facilement revenir en prendre parce qu'ils proposent pas mal de choses. Et bon, tout ce qui est café, latte, etc., quand il fait un petit peu plus froid, je pense que je pourrais revenir pour ça. Par contre, au niveau de la gaufre, rien de particulier parce que c'est pas leur spécialité. En revanche, le gâteau qu'on y a pris, elle aime bien. Voilà. Donc voilà pour verdict et voilà pour la découverte du jour. Wally m'a proposé de goûter sa boisson, là, je vais voir. C'est vrai que c'est particulier. C'est un peu citronné, non? C'est vraiment particulier. Tu m'as dit c'est à base de fruits rouges et. Je sais plus. Elle connaissait déjà, c'est vrai que c'est particulier. Non, tu connaissais pas? Tu as choisi comme ça. D'accord. C'est pas ce que tu avais pris avec Samuel. Ah non, j'avais pris un. Ok, d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. En tout cas, la mienne, moi je. J'aime bien. Donc voilà pour les verdicts. C'est vraiment petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. À Toulouse, elle m'a dit que c'était plus grand, c'était sur 2 étages. Et voilà. Et puis il y a une ambiance, il y a beaucoup de personnes qui, beaucoup d'étudiants, etc., qui travaillent. Du coworking aussi, on dirait. Parce que tout à l'heure, j'ai vu 2 personnes, c'était des associés. Donc ils doivent être habitués. Donc voilà pour les verdicts. Starbucks Coffee. Je ne mourrai pas bête. Voilà pour la journée terminée. Cette journée entre filles, ce mercredi entre filles, il ne m'en reste plus beaucoup puisqu'en fait la semaine prochaine ce sera le dernier, ce sera juste avant à la veille de la rentrée. Donc c'était un super moment. Je vous recommande chaudement ce film si vous ne l'avez pas vu. La très très grande classe, vous passerez un bon moment. Voilà, je vous dis bisous chez vous. Et à bientôt pour un nouveau peut-être mini-vlog ou recette de cuisine ou autre. Ou un partage tantôt, enfin je verrai. Bisous chez vous. Merci.